Et salut tout le monde, c'est Mentali ici, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play de Zelda Twilight Princess. Alors avec moi aujourd'hui un invité mythique. Exactement. Salut tout le monde, c'est encore Flioléon qui est encore de retour pour jouer un mauvais tour. On serait pas de Pokémon mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du précédent épisode, on avait sauvé Midona qui avait été très légèrement à moitié tuée par Xanto. Et donc là, on est censé trouver une épée légendaire qui va nous libérer de notre malédiction, enfin de notre forme de loup. Et le truc, c'est que là, en fait, c'est cette partie du jeu que j'ai complètement oubliée. Je me souviens juste de la scène où on récupère l'épée et c'est tout. En fait, là, je sais pas où je dois aller. Je vais jouer au pif, voilà. Et c'est magique. Non, alors, c'est pas ça. Tu m'avais dit. Donc tu t'es rendu où? Bah là je vais aller dans la forêt mais je sais pas où faut que j'aille. Faut que je vais dans la forêt. Attends, t'es. Ouais, pouvez soutenir. Attends. Non, je crois qu'il faut que t'ailles à la. À la stade des virules. J'y suis allé et Zelda a sauvé Midona en se sacrifiant et c'est là où elle a dit faut que tu ailles récupérer l'épée et je sais pas du tout où elle est. Oui, justement, faut que tu y retournes. Faut que tu ailles au bar. Et t'auras des mecs, un des quatre mecs, pour qui faudra-tu parler, ou faudra-tu retrouver après l'un des quatre sur le lac qu'il y a, pour qu'après ça t'emmène dans un endroit où tu trouveras la suite. Mais tu sais que je suis en forme de loup là, hein, je peux parler à personne. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il faut que j'aille chercher l'épée de légende, donc forcément c'est Excalibur, de toute façon, c'est un peu le spoiler à mon avis. C'est Et le truc, c'est que j'ai complètement oublié où fallait que j'aille. Je sais qu'à un moment, il y a une histoire de cocotte dorée, mais c'est juste après. Enfin, juste après, quand on a retrouvé Forme Belle. Ça, c'est pour le temple du temps. Ah, chute, ta gueule. Mais de toute façon, au pire, on s'en fout des noms des donjons, écoute. Ouais, mais tu viens de spoil, là. Ah, il se passe un truc, j'ai trouvé. Attends. Je crois que j'ai trouvé le chemin. Ah oui, avec le singe, voilà. Oh putain, qu'est-ce que... Ah, c'est dans Super Smash Bros. Brawl, c'est saloperie. Ouais. D'ailleurs ça vient de ce... Ah mais arrête de faire taper Link, espèce de team. Voilà, ça y est, il n'y a plus personne. Je t'ai sauvé Saint-Ginette. Tu... Hook m'a sauvé. Mais merci Hook. J'ai trouvé un très joli bois de l'autre côté de la falaise. Mais quand j'ai essayé d'aller jusqu'au bout du bois, je me suis fait agresser par ces sales bêtes. Ouk ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce bois alors ? Bah je sais pas moi. Tu me le dire, il vient, hop là. Allez, on y va. Alors, on va essayer de... Ah, sauter dans le vide. Oh ! Ah ! Allez. Alors, donc là, il faut faire appel à Midona. Il y a donc une autre forêt au-delà de ce ravin. Allez Link, on y va. Eh ben, je veux bien. Ouais, direct, allez, go. Ah. Hop. Alors, ensuite. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas, tu vois. C'est tellement galère. Ah, c'est bon, on est de l'autre côté de la falaise. Skype, je peux pas les ranger. Ah, il est chanceux. Oh, ça va, encore ça passe. Oh non. Attends, je dois aller où là? Je dois sauter dans le vide et me suffider? Ah non, je dois passer par là. Hop, j'ai envie de vomir. Oh là là, mais comment je vais faire ça? C'est toi qui te pose super facile. Oui, c'est super facile sur GameCube quand tu peux diriger la caméra et savoir. Attends, là, je sais pas du tout. Sur Wii aussi, t'inquiète. Putain, le bon timing pour faire ça. Voilà, tu peux passer, voilà, tu vois. Ah yes, une pierre du loulou. Alors. Haut, bas, milieu. Oh putain. Au pire, tu sais ce que tu fais? Tu restes appuyé sur A et tu bouges le style dans tous les sens. Pour après voir ce que tu dois utiliser, ce que tu dois faire. Ou tu te chanter si tu préfères. Ah putain, ça n'a pas marché, pourtant c'est le bon. Non mais je comprends pas, c'est le bon, j'en suis sûr. Parce que
comme je t'ai dit tout à l'heure, tu bouges le stick dans tous les sens pour pas savoir où tu dois bouger ton stick. Ça marche que dalle. Non mais quand je dis bouger dans tous les sens, c'est vraiment hyper vite quoi. Voilà. Exactement. C'est, voilà, c'est ça que je fais moi. Alors attends, donc maintenant. Et ça marche bien. Haut, bas, haut, bas, milieu, en haut. Ah zut. Attends mais. Ah pourtant là il y est hein. Ah en fait sur le premier truc faut pas que t'ailles directement en bas, faut que tu restes d'abord sous milieu et après tu vas en bas. Ah bah non. Bon là c'est passé, c'est. GG. D'accord, donc la technique du je fais n'importe quoi ça fonctionne. Écoute, merci de me l'avoir appris. Écoute de rien. Comme quoi les amis c'est utile, si un jour vous faites un let's play, invitez les gens, ça vous permettra, hop là, de connaître des techniques de psychopathe. Ah, c'est quoi cette musique déjà? Bah je sais pas, j'entends pas trop le son. Ah c'est ta 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 ta. Je crois que c'est un Ocarina of Time déjà. Oui non mais ça, oui c'est sûr, c'est le seul. Je crois que c'est le Requiem de l'esprit ou un truc comme ça, ou la Nocturne de l'ombre. Parce que je sais qu'il est dans Zelda Twilight Princess, j'ai déjà entendu. Ouais non mais j'ai oublié lequel c'était. Bon là je zappe, excusez-moi les amis, mais il dit toujours exactement la même chose, donc voilà. On gardera peut-être éventuellement pour le 8ème coup qui est le dernier, peut-être qu'il dirait un truc nouveau, mais là je pense voilà. Ouais. Alors où est-ce qu'il faudra que j'aille? En plein milieu de la flotte, ok. Alors ensuite c'est par là, faut que je crois. Ah bon, en plein milieu de la flotte. Genre, oui non mais c'est. Il y en avait un qui se trouvait là. Bon, bizarre. Ah, t'as pas trouvé toutes les bottes. Si si pourtant, je sais. Ah cette musique. Oh, ah cette putain. Musique. Non c'est pas celle-là. C'est pas celle-là là. Si si c'est celle-là. Non là c'est pas celle-là. Attends, et non c'est Lost Woods. Attends, il y a une autre pierre? C'est quoi cette blague? C'est pour, tu vas voir, je vais rien dire. Je vais fermer ma gueule. Alors. Ok. Ok, le what the fuck fonctionne à moitié, c'est incroyable. Alors je crois qu'au deuxième truc tu dois bouger le stick en haut, je crois. Voilà, c'est ce que je pensais. D'accord, ok, bah exact. C'est quoi ce choc qui veut rien faire, enfin qui est de la merde là? Exact, mais oh putain, comment il chante faux! Oh là là, mes oreilles! Ah, mes oreilles saignent! C'est avec la triforce sur la pierre. Ah, oui, alors là, un truc bien chiant, je sais pas si tu te rappelles. Ah, je m'en souviens, oui, il faut suivre le mini sculpted qui nous invoque des. Voilà, il nous invoque ça. Ces pantins, là. Exactement, ça va être magique, les amis, écoutez, on va s'éclater. Exactement. Il est très très chiant. Mais en fait, non, c'est super facile, regarde en fait. Je suis juste. Ah oui, merde, mais maintenant que c'est inversé, je sais pas où c'est. Aïe aïe aïe, j'ai même pas. On va passer par là. En fait, le but c'est juste d'esquiver des attaques. Aussi, sauf que des fois ils te font tellement chier que. Mais ah putain. C'est impossible. Ah, là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Voilà, il faut juste lui botter un peu les fesses. Vas-y, cours mon grand, cours. Cours, Forest, cours. Et c'est par là. Je crois que je suis suivi par deux ou trois morts. Hop. C'est par là. Non, c'est la fin. Alors ça, je sais absolument. Il me semble que c'est la fin. Est-ce que t'entends quelqu'un jouer de la trompette?
faire le thème de Lost Woods avec la trompette. En fait, pour être honnête, j'entends quasiment rien étant donné que je joue avec un casque et que c'est toi que j'entends en fait. Faut que tu t'aides de la musique. Si jamais t'entends Lost Woods jouer avec de la trompette, c'est-à-dire qu'il est dans les parages. C'est un petit conseil que je peux te donner. Le problème, c'est que j'entends pas du tout la musique là. Bonne chance. Je vois cascade. La cascade. Ouais, voilà, il me semble. Je me souviens, il y a un moment, il est derrière la cascade. Attends, tu viens de me spoil d'après 10 minutes du jeu là, s'il faut. Ah non, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est dans ses buts. Bonjour monsieur. Il disparaît dans les ténèbres. Non, au final, on apprend qu'il est gentil lui, parce que là tout ce qu'il fait, c'est. Il nous guide, hein. Voilà, excusez-moi messieurs, allez par là. Alors, tiens, on va en profiter pour. Voilà, on va essayer d'éviter de les attaquer là, parce que ce serait un peu dommage. Putain, mais je vois rien, il y a des endroits où je vois rien. Alors, hop. Bonjour messieurs. Pire que Slender. Ah mais lâchez-moi, putain, vous m'empêchez de régler la caméra, vous êtes chiant. Attends, tu sais quoi? Apprenez le respect, bande de cloportes. Ah, souffle. Alors, il y a d'autres qui spawnent. Il est là-haut. Et pour aller là-haut. Je crois que tu dois contourner. Voilà, il est par là. Hein. Il est là, ouais, voilà, c'est ça. Bonjour monsieur. Il me manque tellement que je suis redescendu. Alors. Et maintenant c'est ouvert ici. Non parce qu'en fait il y a aussi des chemins qui s'ouvrent au fur et à mesure. Méchant petit Skull Kid. Enfin Skull Kid sur son masque, hein. Précisé. Mais c'est bien Skull Kid, hein. Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est Skull Kid. Bah franchement il est très ressemblant. Skull Kid vient de Majora's Mask pour ceux qui ne connaissent pas. Qui ne connaisserait. Ah non mais tu fais exactement la même chose qu'hier quoi. Voilà, oui pardon. Et les gens insultez-les dans les commentaires, non, et abonnez-vous à ta chaîne. Des fautes de français, Ouais mais bon là celle-là tu as fait tout le temps. Français. Ah est-ce que tu t'en souviens de là? Ouais je m'en souviens. Youhou, on va s'éclater la gueule surtout. Bah elle est encore ça mais là je vais ma gueule parce que je vais spoiler. Ah, là il est pas content. Merde. Fuck. Ouais, tu viens. Je suis en train de tu tapes les marionnettes. J'ai tué les tous. Aïe. Ah, moi, bien parler à la France. Vous connaisserez? Oh, je l'ai pas encore dit. À peine 2 minutes, mais aïe, fail. Ah oui, c'est vrai, je me souviens à quel moment faut taper avec les. La trompette. Ah d'accord. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que dans tous les personnages secondaires, par exemple Midona, le lion rouge dans Windwalker, Navi dans Call of Duty, moi je trouve que Midona quand même c'est la meilleure. Ce que t'en penses. Faux. La meilleure c'est Faye, parce qu'elle fait chier. Exactement. Oui, mais alors tellement vrai. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Non, moi j'aime bien Midona parce que je trouve vraiment qu'elle a un bon petit caractère à elle-même. Puis elle a vraiment du charisme. Bah, ça y est aussi, elle a du charisme. Oui. Oh non, mais non, mais. Voilà. Alors vous remarquerez que quand on le tabasse, il y a tous les monstres qui tombent à côté. Hein.
En fait, il est contrôle psychologiquement. Bon, là c'est quand on se vient le délire, hein. On se fait attaquer par une armée. Qui est? Ah, il est là. Oh, Link, tu joues à quoi? Wouah! Ah, par contre, j'espère que tu te souviens qu'il y a une ligne très très chiante après. Aïe, ah, où ça? Ça se souvient pas? Non. Tu verras. Ah, non, mais c'est super facile avec les deux titans. Ouais. Oh putain, je me suis fait gang bang, mais un truc de psychopathe. Oh putain, non, genre t'es mort. Eh, hey, j'ai que 4 coeurs, mon grand. Ouais, mais c'est quand même simple, là, les 4 coeurs. Genre, tu les prends avec le cercle, et puis voilà. Mais je veux bien, le truc, c'est qu'il me laisse pas le temps, en fait. Je commence alors à charger le cercle. Mais puis... Mais je n'ai pas le... Attends, non. Qu'est-ce qui se passe? Je dois recommencer depuis le début. Fail! Oh putain. Voilà. Non, pitié, dis-moi. Ah, quand même, un pic fail. Non, c'est pas possible, je vais pas recommencer depuis le début. Si. Ah, tu vois, ça. C'est vrai de se dire ça, mais. Ah, tu vois, ça sent le truc, tu sais, c'est. La partie du jeu que je ferai en ellipse, tu sais, ça. Je le sens bien. Autant dans Skyward Sword, j'en ai pas eu besoin, autant. Là, je sens que j'en aurai besoin. Et aussi d'une quantité astronomique de chatons. Pour être abassé, hein, quand je commencerai à m'énerver. Putain. Allez. On y retourne. On est motivé après tout, hein. Oula. Ça serait bien la trouche de Skull Kid par la troll face. Ah mais en fait, j'ai besoin de faire moi. Donnez-moi des cœurs. Voilà, c'est bien. Voilà, donc je peux avancer. Alors, je vais aller par là. Non mais c'est pas possible, le machin il me touche quoi, il a 14 km de moi, il me touche. J'aime tabasser Skull Kid. Tout le monde dans Majora's Mask a voulu faire ça à un moment. Pas toi? Si. Oh là, je fais un magnifique shoot. Toujours pas de cœur. Shit. Allez, c'est par là. En fait, alors, j'ai surtout voulu faire ça, c'était lors du dernier temps, qui était le temps de la forteresse de pierre. En fait, j'avais été fait chier à ramasser toutes les fées, et puis j'avais fait un big fail, où j'étais retourné dans le temps, j'avais oublié de les rendre, et. C'est ce qui s'est passé. Les fées. Ah oui! Oh le. Ah d'accord, ouais. En gros, j'ai fait le même fail que Siphano, quoi. Ah, il avait fait ça aussi. Ouais. Il avait fait ça aussi, oh là là. Bon, attention, c'était juste la grande épée, quoi. Oh, juste ça. C'est pas vraiment un truc que tu vas vraiment servir tout le temps, quoi. Encore par contre, le truc vraiment que t'as vraiment besoin, quoi, c'est l'amélioration des cœurs. Amélioration des cœurs. C'est quand tu prends les filles du temple de la grand paix. T'obtiens l'amélioration des cœurs. Je sais pas si tu te souviens. Pas du tout. Tiens, en fait, t'as vu, il y a un excellent speedrun de Majora's Mask qui a été fait. Ah bon? Ouais. De qui? Je sais pas. Non, je crois que c'est un TAS même. C'est un tool assisted. Mais il est incroyable le machin. C'est Ah oui, présenté par Cœur de Vandal et Realmup. Ouais. Ah oui, je l'ai vu. Il est magnifique, franchement. Le type qui fait des espèces de sauts de psychopathe, qui nage à l'envers, qui court à l'envers. C'est comme quand j'ai vu tout la speedrun pareil de Realmup et Cœur de Vandal sur Canal of Time, mais genre le mec. Ah, lequel, celui fini en 10 minutes ou celui sur fini en... Celui fini en 10 minutes. Ouais, non, il est incroyable celui fini en 10 minutes. Hein. Non, mais genre, le mec, il pute.
Ganondorf avec Link enfant quoi. Déjà, il a brisé l'espace-temps quoi. Exactement. En même temps, c'est le héros du temps, il peut faire un peu ce qu'il veut hein. Oui, voilà. T'es pas mort. J'ai vu que Link, il butait Ganondorf quand il était enfant, mais j'étais pété de rire dans mon PC. Ah, moi, ce qui m'est éclaté aussi, c'est celui qui arrive à. Enfin, oui, bah, c'est celui-là. Le type, il passe de Goma à Ganon. À Ganon. Comme ça. Voilà, normal. Ganon. Narmol, voilà. Non, mais... une grosse fissure de l'espace-temps quand même à ce moment-là. Ah oui, non mais. Non, c'est. En fait, il est passé de l'arme au jour, jeton de Ganon. Logique. Il se téléportait en fait. Puis en plus, ce qui m'éclate, c'est comment il latte Ganon quoi. Le pauvre, il a même pas le temps de respirer, c'est bam 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 bam. Ah et voilà. Je prends relativement cher. Ah, il est là-bas. Ah, bonjour monsieur. J'adore tabasser ce pauvre Skull Kid. Puis au final on apprend que Skull Kid il est pas si méchant que ça hein. Au final tout ce qu'il a fait c'est initialement s'il avait fait ça c'était simplement pour attirer l'attention hein. Se faire des amis. J'ai pas d'amis. Donc en gros les amis mes abonnés. Si vous n'avez pas d'amis, il est important que vous trouviez un masque et que vous tentiez de détruire le monde. Il y aura forcément quelqu'un qui voudra devenir votre ami après. Logique. Ah, de préférence, faites ça après le 21 décembre. Ça m'arrangerait. Voilà. Alors, non, c'est pas par là. Allez, tu es perdu. Tout à l'heure, sur Twitter, j'ai vu un lien. Je suis allé dessus, genre t'avais une page qui, pour la fin du monde avec le masque de Majora. Avec la musique de fin du fin du monde, ça rendait trop bien. Je passe ça après. Ouais, s'il te plaît. Si vous avez de la chance, les amis, et que j'y pense, vous l'aurez dans la description, c'est bien. D'ailleurs, attends, mais je viens d'y penser, mais cet épisode sera posté la veille de la fin du monde. Donc, les amis, nous sommes réunis pour. Pour la fin du monde. Donc les amis, si vous avez survécu à la fin du monde, je vous invite à regarder cette vidéo en boucle histoire de me faire gagner des sous. Parce que moi je ne mourrai pas, hein, je vous rassure. L'enculé. Quoi? C'est bien de faire gagner des sous. Alors, il faut encore que je le tabasse. Oui, parce que les amis, le 21 décembre, il y aura la lune qui tombera sur notre. Exactement. Il n'y aura pas plus de météorite, ce sera la lune. Puis il y aura pas que la lune qui nous tombera dessus, en même temps il y aura une bombe atomique lâchée par les coréens. Attends, qu'est-ce qui a été annoncé que j'ai vu à la télé aussi à la con? Les extraterrestres débarqueront. Le soleil explosera. Les dinosaures réapparaîtront, exactement. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Oui, les Pokémon vont nous envahir. Voilà. Et il y aura des Skull Kids partout. Les Skull Kids, les jeux. Ah non, pitié, pas les géants. Non, parce que dans mon assurance, il est écrit que je suis protégé contre les chutes de météores, mais pas contre les géants, malheureusement. Donc si on pouvait éviter. Exact. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu peux y arriver cette fois-ci, juste un coup? Oh putain! Désolé. C'est grave. Alors voyons ça. En plus si tu entends c'est que les gens aussi l'entendent quoi. Et en plus il rigole quoi. Il invoque ses saloperies et il rigole. Oh. Ta merde la coquillerie. Ta merde le scopi. Voilà. Donc j'ai une fois. Allez attention. Là, c'est bien un Kokiri, Skull Kid. Oui, c'est bien un Kokiri. Alors pourquoi attaque-t-il Link? Non, pas. Je rappelle que Link a quand même été élevé par, en tant que comme étant un Kokiri. Et en plus, il a carrément la bénédiction du chef des Kokiri, à savoir l'arbre Mojo. Et même la bénédiction du bourson de l'arbre Bozo. Ah oui. Ah là là. Je crois
qu'un survivant. Voilà. Ah, il y a deux survivants. Tiens, parlant du survivant, quand est-ce qu'on tourne une nouvelle vidéo? Ah putain, c'est bon, j'ai compris la réponse. Ah écoute, peut-être dans bien. Et en plus, tu vas rire, mais c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Enfin, pas loin. Bah écoute, on en fera peut-être. Je crois. En live, tiens. Oh putain. Non, pitié. Non, parce que ce que je vous ai pas dit, les amis, c'est que j'ai quand même fait un minimum de montage sur la vidéo et que j'ai atténué certains cris. En live, mais les amis, je vais vous tuer. Maintenant, il y a du spam de commentaires dans les vidéos. Pour non, non. Un live sur Survivors. Je pense pas. Pitié, les amis, faites pas ça. Faites ça, ah. Légende, je rigole. Ça y est, j'ai réussi à battre Skull Kid. Maintenant il ne reste plus qu'à faire l'énigme avec Légion. Oh, ça, franchement, c'est super facile. Vous savez quoi, je pense que tu veux tout le temps aller sur la Solus pour faire ça. Non, t'es allé sur la Solus. Non, franchement, c'est juste de la logique, c'est super facile. Ok, laisse voir l'œuvre. Alors, on va voir que c'est un PGM. Alors, c'est là, mais il me semble qu'il y a un truc à voir par ici, non? Y'a pas un truc par là? Non? Bon, bah là, on y va. Si, il y a bien un insecte à côté. Pff, ok, les insectes, je m'en fous, je suis pas encore allé la voir d'ailleurs, la psychopathe. Ah oui, alors. Pour avoir une plus grosse bourse à rubis, ce serait bien. Tu crois que j'ai pas une suffisamment grande bourse là déjà? Vaut mieux toujours une grande, plus grande bourse. Non, je cherche pas, j'ai la plus grande bourse du monde. Grandes ah oui, en fait, au cas où au cas où ça viendrait dans l'esprit de certaines personnes, non, je ne suis pas une soluce du jeu. Non, voilà, je précise, hein, voilà. D'ailleurs, je sais même pas si je vais faire le jeu à 100%. Je vais essayer de le faire le plus possible, au maximum, mais 100%, je sais pas. Attends, tu vas faire le 100% avec la quête des esprits. Oh putain. Mais facile, la quête des esprits. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la quête des. Comment s'appelle celle du. Ah merde, comment ça s'appelle la caverne. J'ai oublié comment elle s'appelle. Oh, voilà. Putain. Et ça, je reconnais que c'est du combat. Alors. Nous sommes alors, les esprits. Les gens, vous verrez de quoi on parle au fil du let's play. J'ai même pas envie de dire. Alors, donc, alors, là, je vous explique le principe, les gens. Quand je saute, ça saute. BAM! Ah, mais il passe sur ses m'écrases. Ah, si, il m'a écrasé. Ah, l'animation a été mal faite. Voilà. Alors, en fait, quand je vais d'un côté, ils y vont aussi. Regarde. Hop là. Voilà, tu vois, c'est vraiment très simple. Et hop. Voilà. Et ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment tout con. Tout simplement. Ça. Ensuite, on fait. Ah merde. Comment j'avais fait ça déjà? Ah, hop. Ah oui, exact. Ah oui, si, c'est facile. Tac. Ensuite, tac. Tout ce qu'il faut, c'est les coincer dans un coin. Voilà. Hop, on part là. Ensuite, on passe là. Ah, j'ai juste vérifié un truc. C'est bon. Hop, par là. Hop. Ça m'embête un peu, enfin, c'est pas grave. Alors, hop. Alors, je sais, je parle pas des masses, mais. C'est parce que je suis con, centré. Non, monsieur, t'es censé repartir par là. Ah, là, ça me permettrait de les décaler. Attends, il faut que je vérifie. Alors, toi, t'es celui qui va sur la gauche, toi, celui sur la droite, donc il faut que t'ailles là. Alors, oh, sinon, si t'as besoin d'aide, je peux aller voir sur la soluce. Non, non, ça va. Okay. Ah, merde! Ah mais attends, ah mais c'est bon ça en fait. Voilà. Ensuite. Tac, ensuite. Allez, saute. Ah non, mais il veut pas sauter. Il veut pas sauter sous prétexte qu'il y a l'autre. Ok, merde, je me suis fail. Alors comment je vais pouvoir faire pour distancé. Voilà, c'est bon.
Alors. Ensuite, voilà. Alors là, là c'est bon, les amis. Voilà. Ensuite, il faut juste que je fasse ça. Ça. Ensuite, on regarde dans cette direction. Ah non, merde. Il faut encore régler la hauteur. Alors. C'est lui qui a faim. Ah merde, mais... Au final, il faut que je me redébarrasse du dessus là. Alors. Ah, regardez. POM Copain, mon frère. On va essayer de... Alors, tac. Voilà, ensuite. Hop. Bah, celui, en fait, il faut qu'il soit... décalé. Encore d'un. Ensuite, on fait... comme ça. Oh, bien joué. Et comme ça. Voilà. Simplicité ultime. Bon, en réalité, les amis, je vous le dis, j'ai fait quasiment au pif. Enfin, en fait, on peut dire que la première moitié, j'ai fait au pif, puis la deuxième, j'ai un peu réfléchi. Noble animal, tu nous as ramené en opposition d'harmonie. Nous allons donc te guider en la foi. Alors, position d'harmonie, mais ça m'a pas empêché de les foutre sur la gueule deux fois. Hein. Enfin, bon, bref. Allez. Et de me faire écraser une fois. Alors là, les amis. Attends, ça fait combien de temps? 31 minutes. Dis-moi, est-ce que je fais le cliffhanger de fou? Ne me dis pas que tu vas les laisser là, quand même. Je sais pas, je me tâte. Il va se passer un truc mythique là. Non, allez, on va le faire parce que sinon, après, on va dire que je suis un foutu salaud. Ouais, sur les amis, moment voilà. Complètement épique. Vous allez voir. Et là, les amis, on peut voir un bâton là enfoncé dans le sol. Mais en fait, on fera ça dans le prochain. Non, je déconne. Oh putain, mais qu'est-ce que je rêverais de faire un truc comme ça, mais bon, non, pas là, parce qu'il faudrait que je me retape toute la forêt et tout. On examine l'épée. Ok, elle est belle, elle me rappelle quelque chose, j'ai une impression déjà vue là. Ouais, c'est vrai. Link est en train d'empêter. Ah non, je vous ai s'envolé. Il s'envole. Link, et tais-toi, cinématique musique. C'est bon, maintenant tu peux parler. Putain. C'est pas encore terminé. Attends. Oui, c'est vrai. Alors, l'épée est reconnue comme digne de la portée. Magique cette musique. Exactement. Oh yeah. Alors là, Link, franchement, a trop la classe. Ah ouais, là, carrément. Avec cette épée. Le swag, oh yeah. Alors, le fragment de magie qui t'a empoisonné. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Je crois que c'était t'emprisonner. Ta gueule. Fais attention, si tu le touches, tu te retransformeras en loup. On s'en fout, j'ai Excalibur. Cet objet est trop dangereux, il vaudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. C'est quand même mon regard, elle me fait peur. Un moment. Et si nous faisions le contraire, avec ça on pourrait te transformer en loup à volonté. Comme les buffets? Après tout, Xanto a fait tous ses efforts pour nous le remettre, ce serait dommage de ne pas en profiter. Regarde ce sourire sournois, franchement elle te fait pas peur dans ces cas-là. Si. Putain, on dirait qu'elle va bouffer Link quoi. Si tu désires changer de forme, tu n'as qu'à me le demander. Avec ça, si tu me demandes de te téléporter depuis ta forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Mais en plus, elle tente de me draguer, mais casse-toi! Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Non! Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous ayons pour retrouver Xanto. Bon, ok. Et elle se planque toujours dans mon ombre, hein. C'est vraiment une foutue planquée. Et donc vous avez remarqué dans la cinématique de début, enfin on nous a dit ouais cette épée repousse le mal etc. Et Link en la récupérant a repoussé la brume. Comme quoi les gens, la brume c'est le mal.
Exactement. Bref, tu as récupéré Excalibur. Yeah, j'ai une grosse épée. Enfin, une plus grosse que celle d'avant. Ouais, et qui brille, et qui transpire, et qui gère la fougère. Voilà. Alors, juste les amis, juste parce que je suis... Ah tiens, on peut rééquiper l'épée de merde. Exactement. Oh les amis, j'ai une idée de défi. Oh, j'ai une idée de défi à la con, les amis. Oh putain, GG. Enfin, continue avec l'épée de toile. Oh, je dis pas quoi, t'es amené du comme ça. Trop swag. Alors, non, sérieusement, les gens gênants. Monta a le choix entre une épée pourrite et une épée complètement cheatée qui est super belle, tout ça. Non, je prends l'épée qui commande moi aussi. M'en fous. Oh putain. Là, on va essayer de récupérer avant de la fin de l'épisode le la botte. Non, je ne parle toujours pas de chaussures, les amis. Non, toujours pas. Alors, d'ailleurs, j'ai envie de vérifier un truc. Ce qui ne serait-ce que tarder. Ce qui ne serait-ce que tarder. Exactement. Non, mais il me fait peur, les amis. Hein. Allez, en avant. Alors, hop, c'est par là. J'ai oublié comment monter. Y a bien un machin pour monter. Hein. Il faut pas descendre. Hein. Faut bien monter. Ça dépend où il est. Bon, on va se téléporter. Il est où ton loup là? Bah, en plein milieu de la flotte. Bah, il est là. Tout, je pense. Et comment j'y vais? Ah non, il est derrière la citadelle d'Hyrule. Ça, je m'en souviens maintenant. Il faut que j'aille comment? À la citadelle d'Hyrule. On l'a ensuite en Del d'Hyrule. Et j'y vais comment à la citadelle? T'as pas un portail? T'as. Si, je suis là, la limite. Non, pas à la citadelle encore. Si, bah je viens d'en voir un. C'est pas grave, on se téléporte à côté. J'essaie bien de marcher aussi. Pour faire encore plus pouvoir router. Bah exactement, de toute façon on n'est pas pressé, hein. C'est pas comme si on devait faire le let's play en certain nombre d'épisodes. Hein. Ah, cette musique, j'adore. Oups, raté, sens inverse. Salut les copains, je vous snob. Et donc les amis, entre cet épisode et le suivant, je voudrais récupérer les cœurs hein, que j'ai raté pour le moment, puisque comme je vous l'ai dit, les choses vont sacrément se corser, surtout si j'utilise cette foutue épée. Mais c'est trop swag, elle est trop belle l'épée de toile. Alors, donc il faut que je passe par là, tu m'as dit? Ouais. Oh putain, non. Le pédophile. Il me rappelle un peu Telos de Golden Sun. Bref. Ah, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est lettre envoyée par Thelma. Thelma, c'est la personne qui gère l'auberge. Enfin, la taverne Thelma, pardon. Maintenant, moi, je repars. À plus. Et alors, les amis, on va pas lire cette lettre tout de suite. On la lira, bah, à un autre moment. Logique, puisqu'on l'a dit pas maintenant. Alors, comment se transformer en loup? Voilà, madame, je crois. Je veux redevenir un loup. Ça me manque d'avoir 4 pattes. Voilà, j'aime d'avoir 4 pattes. Alors, vous remarquerez que quand elle me transforme, elle passe sous mes pieds et qu'elle réapparaît juste au-dessus de ma tête, enfin, juste au-dessus de Link pour lui tomber dessus. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai carrément pris le mauvais téléporteur. Ouais, le bon téléporteur est juste là, je suis vraiment con. Alors, est-ce que tu vas réussir à me guider? Néon? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu vas réussir à me guider vers le loup? Oui, t'inquiète pas. Alors, il faut que j'aille dans la citadelle? Oui. Ok. Sous forme de loup ou pas? Non. Non? Surtout pas. Bah, c'est tellement rigolo. Ah oui, est-ce que je peux. Est-ce que c'est possible de le faire sous forme humaine? Bah, oui, c'est possible. Ah, bon alors. Bah, c'est juste pour montrer un truc. Bah, c'est un truc qui m'a fait mourir de rire quand j'ai découvert dans ce jeu. Non mais c'est pas ça, ça à la limite c'est, voilà. Oui. Voilà, voilà, et maintenant je vais attendre là, tranquillement, et écouter les gens. Cours petit. Ah voilà, alors là attention, il y a la Légion. C'est la Légion les amis, hein. Ils rigolent pas.
les couards. En fait, il fuit en laissant des rubis, c'est énorme. Bah, donc, il faut aller en bas, c'est juste. Oui, en bas. Ah, mais cassez-vous, vous êtes sur mon chemin. Vous avez pas appris que c'était dangereux de se sur le chemin d'un loup? Oh, il y en a un qui est tout seul, attends. En plus, ils peuvent attaquer au bout d'un moment. Bon, d'accord, lui, il a pas peur, lui, c'est un fichou. On s'en fait fou, wesh. Wesh. Taï taï. Alors, maintenant, où est-ce que je vais? Tu continues tout droit. Je te dirai quand tu pourras tourner. Oui, parce que Morphlonon se sent en néon GPS. Là, tu tournes à gauche. Voilà. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Mais là, il y a un trou. Et alors, si tu vois le loup là-bas, là. À gauche. Loup. Voilà. Néon. Merci. Néon. Loup néon. Alors là, faut que tu viennes du monde. Bonjour, monsieur. Mais j'ai une lame, ça se voit pas. Voilà. Puis je me transforme une lame devant lui, tu vois, je suis maudit. Ta lame, c'est mise demain. Ouais, exactement. Oh là là. Des fois, Faye me manque, quand même. Oui, maître, je suis un robot. Oh, misère. Ah, lui aussi, il a été maudit, en fait. Bref, alors, te vois de nouveau devant moi. La prochaine botte que j'ai à t'enseigner est aussi la plus puissante. Il se peut qu'elle te coûte en fortitude. Alors, assistante, attendez, les amis, juste écoutez, est-ce que ce mot existe, en sachant que c'est un véritable dictionnaire, hein, est-ce que ce mot existe? Absolument pas. Voilà, en fait, il s'agit d'une traduction qui n'a pas été faite, fortitude, c'est, comment dire, la, ça peut se traduire par constitution, enfin, la constitution humaine, vous savez, le, comment dire, voilà, on peut dire, non, c'est pas vraiment la force, c'est vraiment la, enfin, la... Enfin bref, en gros, fortitude n'est pas un mot français, il n'a strictement rien à foutre là. Alors, désires-tu sincèrement faire tienne cette... bon, voilà, vous avez compris le terme. Bah, oui, bref, fort bien. Alors, toute chose... Alors, le coup à revers. Ah oui. Vas-y, vas-y. Allez, j'aime le coup à revers. Voilà. Ça, c'est fait. Allez. Me voilà rassuré, je sais que tu as su tirer profit de mes enseignements, blabla, la quatrième botte. Le brise-casque. Oh là là, le brise-casque. Ah, le brise-casque quand même, plus au néon. Avoue qu'il est génial le brise-casque. Alors ça, il est épique. Ah oui, alors il faut d'abord foutre un coup de bouclier. Ouf, ah vilain. Allez, il alors. Ah d'accord, faut lui foutre une patate après la foutu. Okay. Bien joué, blablabla. Voilà, et le brise-casque est juste une attaque ultra cheatée. Comment dire, bon, bon, la seule personne contre qui elle n'est pas utile, en fait, c'est le boss final. Parce qu'en fait, sur le boss final, faut juste y aller comme un boulet avec une canne à pêche. Mais ça, on verra ça plus tard. Ah, tu la connais, cette technique? Bah, je connais même celle du flacon, tu vois. Ouais. La technique du flacon est juste surabusée. Ça marchait sur Ocarina of Time, le flacon? Ouais. Ah, mais je savais pas. Putain, c'est bon ça. Ah, est-ce que je peux aider le Goron avec des bombes? Je crois pas. Hein. Le Goron qui est là. Non, je peux pas péter ça avec des bombes. Bref. Alors, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, la mettre en favori si elle vous a beaucoup plu. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, que cela, enfin, que mes vidéos vous intéressent. N'hésitez pas à en parler à votre entourage aussi, accessoirement. C'est toujours bien. Hein. Et on se retrouve donc. Alors, attendez. Je réfléchis deux secondes, les amis. On est. Alors, jeudi. Vous voyez cette vidéo, il est jeudi. Les amis. Normalement, vous aurez donc un autre épisode dimanche, les amis. Ah bah non, samedi, en fait. Oui, samedi, puisqu'en fait, normalement, le samedi, c'est Pokémémo, mais puisque j'ai pas Pokémémo cette semaine, pour des raisons totalement obscures, les amis, vous aurez droit à un épisode de Zelda TP. Donc, écoutez, j'espère que... Bah voilà, c'est tout, j'ai tout dit. Est-ce que t'as un petit mot pour la faire, Fléonéon? Bah écoutez, pastèque, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore pastèque? Et c'est ce que t'avais dit la dernière fois. Non, un autre mot de la fin. Nouille. Ah, les nouilles.
Fluonénouille. Exactement. Allez, salut. Néon. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.